excusez-moi. Excusez-moi, je voudrais aussi, de temps en temps, quand j'arrivais dans les mairies, qu'il y avait du monde, je me permettais de demander quelque chose aux gens. Et pour une fois qu'elle est là, Alex. Alex. Bien. Alex, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements et de dire merci à Alexandra, parce qu'elle le mérite. Elle le mérite, donc quand vous voulez. Merci Alexandra. Bravo Alexandra. Bravo Alexandra. Bah, maintenant, musique. Musique. Ah ouais, la flamme. La flamme. Ah oui, on va transmettre la flamme de la liberté à la ville de Paris, représentée par François. Donc François, approche-toi. Et après, vous irez allumer vos bougies vers François. Il fera le tour et allumera vos bougies. On vous transmet le feu. On vous transmet la liberté. On vous transmet le fait de penser par vous-même et arrêter de vous faire endormir. La liberté, c'est un devoir, c'est pas un droit. La flamme de Paris. Et aussi, on vous remercie du fond du cœur de nous avoir suivi sur Telegram. D'être là aujourd'hui, je vois qu'il y a Adama, que tu t'es fait opérer, comment ça va? Et merci à tous d'être là. Merci à tous. Applaudissez-vous, merci à vous. Et merci à ceux qui sont venus de Notre-Dame de France et de Arras. Mervin sur l'association Amitié Solidarité.com au singulier. Et face aux pertes de liberté que nous subissons depuis 2 ans. Donc on a monté cette course depuis Argelès-Gazos, qui court 900 km, pour incarner le mythe de Prométhée, qui est le mythe de la révolte face au despotisme, pour éveiller les consciences, pour faire que les gens refusent l'inacceptable que nous subissons depuis 2 ans, est totalement antidémocratique, va à l'encontre des droits de l'homme, va à l'encontre, bafoue les droits fondamentaux de l'humain et du vivant. Donc on ne peut pas accepter ça. C'est notre Djokovic à nous, nous avons rappelé. Championne Alexandra. Prends le micro, Raphaël. Prends le micro. Prends le micro. Force, force et courage. Bravo, Raphaël. Djoko alias Raphaël. Bonjour à tous. Je suis très touché de votre accueil, mais je tiens à dire qu'on n'est pas là pour célébrer une performance sportive qui n'en est pas une à mon sens, parce que les champions de marathon et d'ultra-trail font des performances bien plus impressionnantes que les miennes. On est là pour se dresser face au totalitarisme, pour nos libertés. Donc le mythe de Prométhée, pour ceux qui le connaissent, Prométhée c'est le père de l'humanité, c'est son bienfaiteur. C'est lui qui apporte le logos aux hommes, ce qui le distingue des autres espèces, sa capacité de penser par lui-même. C'est également le symbole le plus fort de la révolte. Il se révolte face à la tyrannie, face au despotisme de Zeus. Il incarne la liberté de choix individuelle. Donc ne vous laissez pas faire. Ils n'ont pas le droit de vous mettre des muselières sur le visage. Ils n'ont pas le droit de vous injecter. Ils n'ont pas le droit de vous cloîtrer chez vous. Vous êtes libre. La planète est à vous. Vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Bravo! Bravo! Liberté! 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 Au pays des Lumières.
non, 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 nous sommes la nation des droits de l'homme, nous sommes la nation de la tolérance, nous sommes la nation des lumières, nous sommes à l'heure de la résistance. Bravo Raphaël. Parcours de 900 km si c'est pas de la foi pour la liberté. Bravo. Cette course de la liberté qui se transforme en flamme de liberté. Ces gens qui viennent de France entière.